Je dirais qu'on est un peu leur personne repère. Tu arrives là-bas, affaibli, découragé, ils te relèvent. On est vraiment comme une famille. Elle est là pour m'aider, elle est pas là pour me juger. On voit au quotidien la réappropriation de l'estime de soi. Les voir interagir entre eux, s'entraider. Pour que la personne accompagnée soit épanouie. Ce que j'apprécie le plus, c'est la création du lien qui se fait avec la résidente qui intègre le centre. La relation, elle est riche avec les jeunes qu'on a. On leur apporte beaucoup, mais ils nous apportent aussi, ils nous font voir des choses aussi sous un autre regard. Je ne vois pas d'autres maisons, j'en ai visité plusieurs, où il y a cette ambiance-là. C'est une maison simple. Moi, ce que j'aime, c'est de permettre à aux personnes d'être pleinement elles-mêmes, dans leur autonomie aussi au quotidien, et de vraiment qu'elles puissent aussi prendre pleinement leur place dans la société. Des établissements qui permettent un accompagnement, quels que soient les âges de la vie, et quelles que soient les problématiques, ça peut être de l'insertion, du handicap, maintenant de la vieillesse, et ce qui permet aussi d'avoir une vision globale de l'accompagnement des personnes.